Alors, on a toujours parlé football, puisque il y a une direction générale police nationale qui recevoir sélection moins de 20 ans la caille Medamio qui saute participer dans la Coupe du Monde France 2018 là. Cérémonie si là te déroulé journée et jeudi 30 août 2018 là dans local direction générale PNH là et qui trouvait li dans Widergain Pétionville. Justement, yon équipe te sous place en permettre au suivre un reportage à Joseph Girard Junior et Wilson Idori. Les gens du Nord se lèvent au quart de la nuit dans tout leur sort. Direction générale police nationale là recevoir jeudi 30 août 2018 là sélection haïtienne football moins passé 20 ans dans résidence officielle rue d'Aguin Pétionville. Dans quatre visites si là il y a un cocktail qui était organisé pendant musicien police nationale d'Haïti qui a créé ambiance en présence diverses personnalités dans force sécurité pays là tant coup inspecteur général de CPA Carl Henri Boucher, inspecteur général Jean-Lionel Tressil, chef cabinet directeur général police, Migueri Maxime, Franz Lebourg, qui c'est actuel directeur départemental MIPLA, avec présence équipe football PNH, bon côté Medamio, à bon côté Monsieur. Dans l'occasion ça, numéro 1 police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédéon, profitez soyez ici là pour féliciter les jeunes grenadiers pour prestation dans la 9e édition Coupe du Monde France 2018 là, et rendre hommage à président fédération haïtienne football là qui c'est Yves Jean-Bart. Maxus Sport dans le pays ça fait longtemps. Pas une station radio qui a sport ou bien télévision qui a passé football, qui a parlé football. Moi-même, pour ma chita, m'a tendu ou bien m'a gardé. Nous avons un championnat national, première division, deuxième division. Mais aucun monde, pas jamais, rend compte de qu'aucun chaîne de travail que monsieur ça n'a pas gardé là, d'Adou Jean-Bap fait dans le football féminin. Mesdames, vous avez une belle boule, tout le monde content, mais moi-même, au plus profond de moi-même, crédit, il retourne à monsieur ça, qui engage en pile, qui fait de football féminin aujourd'hui, yon gros affaire. Merci Dadou. Toujours dans la même circonstance, DG Police Nationale la remet une plaque d'honneur à entraîneur équipe football nationale d'Haïti, Jackson Valcourt, pour travailler la fournie dans une zone défavorisée au niveau football. Nous utilisons sport justement pour nous capables améliorer, soigner davantage image nous par rapport à la population ça que nous venons pour nous servir et protéger. Qui rentre jalousie, cité soleil, grand ravine, la mette football, la paix sociale, la bonne image pour l'Islande, il va y l'autre nom, il est Jackson Balcou. Je dis, c'est occasion idéale pendant la fête football, nous décorer un monde football dans l'occasion comme ça. Jackson, non, non. Police nationale d'Haïti, nan non pam, n'a pas dit félicitations. T'as montré à grand public haïtien, ce n'est pas football seulement qui compte jouer, mais qui a l'autre talent, la Kaili. Voilà, belle ambiance, bel geste de la part de la police nationale d'Haïti qui était recevoir, mesdames, moins de 20 ans. Dans une interview, Libaï, plusieurs confrères la presse qui étaient présents, président de la Fédération haïtienne football, docteur Yves Jean-Bart, parlait de renforcer, il pral renforcer académique match qui est programmé lundi 10 septembre, Cap Vinila, dans le stade Sylvio Cator. On nous suit. Nous allons ouvrir des écoles féminines à travers le pays, à Capoté Watimounio, puis bonheur. Parce que tout spécialiste explique nous, pour arriver loin dans le jouet là, particulièrement sur les filles, il faut faire avant, il faut faire croissance, avant, il faut faire puberté. Il faut avoir un sein, il faut avoir un godet, il faut avoir un taille. D'ici deux semaines, nous avons préparé Cotio, qui prend le travail dans tout le pays, à tout type 8-10 ans, pour que nous quittions pour Haïti venir, malgré le problème, nous avons un gros.
place en football féminin. Pays ont décidé, la CONCACAF et en Europe, ils ont décidé pas de jouer 6 équipes qui pas joué. Tout le temps, c'est les Coupes du Monde qui jouent, et puis il y a une grosse équipe qui a joué tout le temps. États-Unis et Mexique, par exemple, qui a mené CONCACAF la CONIA. Estimé, c'est le fait que Tipiti n'a pas joué en pile, c'est chaque Coupe du Monde qui fait deux matchs, un match et puis éliminé, qui fait que le niveau a joué là-bas. Et pour le premier monde qui paye les conséquences, c'est gros pays, zone, Costa Rica, Mexique, États-Unis. Ils ont décidé que désormais, depuis que FIFA, date FIFA, il faut tout le monde jouer. Et puis, au cas où ils mettent en jeu, c'est la Ligue des Nations. Ils vont diviser CONCACAF en trois divisions, première division, deuxième division, troisième division. Il y a 6 pays qualifiés pour première division. C'est 6 personnes qui ont joué la dernière phase finale Coupe du Monde, dernière phase éliminatoire Coupe du Monde. Ils ont pris le gourmet pour faire division. Donc, maintenant, je vais continuer à maintenir, puis quand quelqu'un met la tête sur un match simple, sur un match facile, c'est là pour nous commencer à faire point, c'est là pour nous faire total. Alors, pour ça qui concernait mauvais état, stade Silvio Catalan, président de la Fédération haïtienne de football, fait qu'on ait un travail qui déjà démarré et intervention. Yo, et pour le fait, sous pelouse là, dans le vestiaire et dans la toilette. Entendez comment tu réagis sur le point ça. La préfecture, semaine ça nous venons de sponsor la main, Leslie Center, n'a pas conditionné vestiaire. Par le biais de l'autre moyen, nous jouons la main FIFA, on t'y parti dans sa gouvernement et ben nous, n'a pas conditionné terrain, sous passé, après ma petite nouvelle pelette, parce que les terrains par un pelette, joueur qui a blessé, et qu'un joueur de ville monte, le pelette là pas correct, là pas pas jouer. Nous avons conditionné pour le même, même que tout le monde vienne. Ce n'est pas les pays qui jouent un gros match ou les gagnent pour tout le monde chauffer. Nous voulons toute l'équipe nationale, c'est pour le pays allié, c'est pour tout le monde lié. Voilà, c'est avec intervention sous match Haïti contre Saint-Martin de la part du président de la Fédération haïtienne de football, Dr. Yves Jobard, qui a bouclé les premières tranches de l'espoir. Au retour, nous pourrons aller à l'étranger. Alors, nous avons toujours parlé de football, puisque gagné direction générale police nationale qui recevoir sélection moins de 20 ans la caille Medamio qui saute participer dans la Coupe du Monde France 2018 là. Cérémonie si là te déroulé journée et jeudi 30 août 2018 là dans local direction générale PNH là et qui trouvait li dans Widergain Pétionville. Justement, yon équipe te sous place en permettre de suivre un reportage avec Joseph Girard Junior et Wilson Idori. Les gens du Nord se lèvent au cœur de la défense pour leur sort. Direction générale police nationale là recevoir jeudi 30 août 2018 là sélection haïtienne football moins passé 20 ans dans résidence officielle rue d'Aguin Pétionville. Dans le cadre de visite, il y a un cocktail qui était organisé pendant le musicien police nationale d'Haïti qui a créé ambiance en présence de diverses personnalités dans la force sécurité pays. Tant que inspecteur général de CPA, Carl-Henri Boucher, inspecteur général Jean-Lionel Tressil, chef cabinet directeur général police, Migueri Maxime, Franz Lebourg, qui est actuel directeur départemental MIPLA. À présence équipe football PNH là, bon côté mesdames yo, à bon côté messieurs yo. Dans l'occasion ça, numéro 1 police nationale d'Haïtien Michel Angéléon, profitez soir ici là pour féliciter jeune grenadier yo pour prestation yo dans 9e édition Coupe du Monde France 2018 là et rendre hommage à président Fédération Haïtienne Football là qui c'est Yves Jean-Bart. Maxus Sport dans le pays ça fait longtemps. Station radio qui a baillé sport ou bien télévision qui a passé football, qui a parlé football, moi-même pour m'acheter ta map, quand on m'a regardé. Nous avons un championnat national, première division, deuxième division. Mais aucun monde, pas jamais, rend compte de qu'aucun chaîne de travail que monsieur ça n'a pas là, d'Adou Jean Bab fait. Dans le football féminin. Mesdames, vous avez une belle boule, tout le monde content, mais moi-même, au plus profond de moi-même,
crédit, il retourne à monsieur ça, qui engage en pile, qui fait de football féminin aujourd'hui, il y a un gros affaire. Merci Dadou. Toujours dans la même circonstance, DG Police Nationale là remet une plaque d'honneur à entraîneur équipe football nationale d'Haïti, Jackson Valcourt, pour travail la fourni dans zone défavorisée au niveau football. Nous utilisons sport justement pour nous capables améliorer, soigner davantage image nous par rapport à la population ça que nous avons pour nous servir et protéger. Qui rentre jalousie, Cité Soleil, Grand Ravine, la met football, la paix sociale, la bonne image pour l'Islam, il va y avoir l'autre nom, il est Jackson Balcou. Je dis, c'est l'occasion idéale pendant la fête de football, nous décorer un monde football dans l'occasion comme ça. Jackson, non. Police nationale d'Haïti, non, non, pam, n'a pas dit aux félicitations. T'as montré à grand public haïtien, ce n'est pas football seulement qui compte jouer, mais qui a l'autre talent, la Kaili. Voilà, belle ambiance, bel geste de la part de la police nationale d'Haïti qui était recevoir, mesdames, moins de 20 ans. Dans une interview, Libaï, plusieurs confrères, la presse qui était présent, président de la Fédération haïtienne football, docteur Yves Jambard, parlait de renforcer, il pourrait renforcer académique, match qui est programmé lundi 10 septembre, Cap Vinila, dans le stade Sylvio Cator. On nous suit. Nous allons ouvrir des écoles féminines à travers le pays, à Capoté Watimounio, puis bonheur. Parce que tout spécialiste explique nous, pour arriver loin dans le jouet là, particulièrement sur les filles, il faut faire avant, il faut faire croissance, avant, il faut faire puberté. Il faut faire un sein, il faut faire un godet, il faut faire un taille. D'ici deux semaines, nous avons préparé Cotio, qui prend le travail dans tout le pays, à tout type filles 8-10 ans, pour que nous quittions pour Haïti Vini, malgré les problèmes, nous gros. Place en football féminin. Pays ont décidé, la CONCACAF et en Europe, ils ont décidé pas de jouer 6 équipes qui pas joué. Tout le temps, c'est les Coupes du Monde qui ont joué, et puis il y a une grosse équipe qui a joué tout le temps. États-Unis et Mexique, par exemple, qui a mené CONCACAF la CONIA, estimé c'est le fait que Tipiti n'a pas joué en pile, c'est chaque Coupe du Monde qui fait deux matchs, un match et puis éliminé, qui fait que le niveau a joué là-bas. Et pour le premier monde qui paye les conséquences, c'est gros pays, zone, Costa Rica, Mexique, États-Unis. Ils ont décidé que désormais, depuis que FIFA, date FIFA, il faut tout le monde jouer. Et puis, au cas de jouer, ils ont mis en jeu. En jeu, c'est la Ligue des Nations. Ils vont diviser CONCACAF en 3 divisions. Première division, deuxième division, troisième division. Il y a 6 pays qualifiés pour première division. C'est 6 mondes qui ont joué dernière phase finale, Coupe du Monde. Dernière phase éliminatoire, Coupe du Monde. Ils ont pris le gourmet pour faire division. Donc, maintenant, je vais continuer à maintenir, puis quand quelqu'un met la tête sur un match simple, sur un match facile. C'est là pour nous commencer à faire point, c'est là pour nous faire total. Alors, pour ça qui concernait mauvais état, stade Sylvio Catolan, président de la Fédération haïtienne football, fait qu'on ait un travail qui déjà démarré et intervention. Yo, et pour le fait, sous pelouse là, dans le vestiaire, et dans les toilettes. Entendez comment tu réagis sur le point ça. La préfecture, semaine ça nous venons de sponsor la main, Leslie Center, n'a pas conditionné vestiaire. Par le biais de l'autre moyen, nous joignons la main FIFA, on t'y parti dans sa gouvernement et ben nous, n'a pas conditionné terrain, sous passé, après ma petite nouvelle pelette, parce que le terrain par un pelette, joueur qui a blessé, et qu'un joueur de ville monte, le pelette là pas correct, là pas pas jouer. Nous avons conditionné pour le faire, même que tout le monde vienne. Ce n'est pas les pays qui jouent un gros match pour les gagner pour tout le monde chauffer. Nous voulons toute l'équipe nationale, c'est pour le pays allié, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est avec intervention sous match Haïti contre Saint-Martin de la part du président de la Fédération haïtienne football, Dr Yves Jambard, qui a donc les premières tranches de l'espoir. Au retour, nous pourrons aller à l'étranger.